Daniel, les bottes sur 1351, voilà, je suis là, toujours là, je suis encore là sur la voie rapide, Libourne-Bordeaux. Ok, alors comme quoi, là d'après ce que j'ai vu, ton message tu l'as envoyé vers les 18h30 je crois, un truc comme ça. Le téléphone je l'ai éteint, il devait être vers 21h et j'avais toujours pas reçu ton message. Toi comme quoi, ça marche vachement bien. Hachi, par la CB c'est quand même nettement mieux, c'est plus efficace, Hachi 3 coups. Alors là, j'entends plus rien. Daniel, je sais pas si tu es en train de moduler, si tu m'entends encore, mais là je suis en train de passer entre les deux stations totales, là sur la rocade rive droite, et je t'entends plus là. J'ai du QRM, ouais, mais c'est tout. Ça devrait passer. Là, je suis sur la bretelle d'accès là vers le pont d'Aquitaine. Un petit message, c'est là. Ne t'occupe pas. Attends, j'ai pas compris ce que tu m'as dit, voilà, c'est... je suis au niveau... Hop là, non c'est bon, je suis au niveau de la gendarmerie, hein. Finir l'antenne PMR la 446 là. Par contre j'ai pas de. Je l'ai pas testé, puisque mes consoles que j'ai ne fonctionnent plus, et en plus de ça, j'ai pas d'analyseur. Voilà, donc bon, mais l'antenne est faite, je vais la mener, c'est bien, mais bon, écoute, ah ouais, ça peut être sympa, ouais, effectivement, de voir ça, quoi. Ah, la voie de droite est neutralisée sur le pont d'Aquitaine. Ah, ils ont dû fermer pour faire les travaux, alors. Ouais, ils ont dû fermer pour faire les travaux. Mais
écoute, moi je vois là que sur Saint-Hilaire, il n'y a plus les lacs que j'arrive sur Magudin, ce ne sont pas la faute, là, je ne sais pas bon. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a plus chez toi là ce matin. Bah non, rien, ouais, rien. Même ici, voilà, là je suis dans la montée du pont d'Aquitaine, tout est sec, hein. Alors, c'est quoi ça? Ouais, ben ça a l'air d'être des travaux, hein. Alors voilà, je suis en place pour l'Aquitaine. Les bonnes sont 13:51, les stations en fréquence de la part de Dandy 33 depuis le haut du pont d'Aquitaine. Et bonne journée. Et pour ce qu'il en est de la circulation, la voie de droite est neutralisée. Ouais, ouais, bah ouais, j'ai bien compris, ouais. Ouais, bon, bah si t'as pas le temps, on essaiera de voir ça là-bas au salon, quoi. Mais vu la plage de fréquence, il faut un tosmètre particulier, non? Je sais pas, là, je connais pas, là. Ah, voilà, je suis arrivé en bas du pont d'Aquitaine. Ouais, ok, ouais. T'en as un? Oui, j'ai un bivac, moi, j'ai un chien qui va chercher. Comment est-ce que... Non, j'ai dit un poste... Non, un tosmètre particulier, je veux dire, pour voir si l'antenne est bien accordée. Alors, je dois avoir, le tosmètre qui a été fait par... Un quart de tour là, voilà. Donc il faut que je voie si j'ai des adaptateurs pour pouvoir mettre après sur l'antenne à la main. Ouais, d'accord. Hein. Putain, par contre, puisque tu parles d'antenne, je sais pas si tu as remarqué là en ce moment, la propague est du soir, mais tard le soir, hein, puisque je vois là le samedi soir, bon, j'étais sur le QSO là, du canal 27, hein, et puis en QR-temps, je me suis mis là un petit peu en écoute comme ça, là, sur le 555. Hein. Putain, la vache, t'avais les départements français qui passaient et tout ça. Ah, ils devaient être vers les 23h là autour de ça, hein. Ça passait de tous les côtés, quoi. Putain, dommage que j'avais dit Grekel qui était parti au 144 parce que ça m'aurait bien tenté, quoi. Ah ouais, mais moi, ça veut dire que j'étais de repas. Hein. Voilà, j'étais de repas, donc je n'étais pas à la maison. J'étais sur Saint-Arnaud, hein. J'étais tous les 10 ans, là, avec...
putain la vache, je suis autour de la sortie 5, sortie 6, là je suis en train de passer à la sortie 6. Putain, ça passe mal, hein. C'est très QRP dans ce coin-là, quoi. Si autant le soir il y a de la propague et tout, et autant le matin, putain la vache, c'est complètement fermé, quoi. Ah bah là pour le coup je t'ai plus entendu là. Putain, là je suis en train de passer au niveau de la sortie 7, je viens de découvrir que tu étais en train de parler. Ouais. Tu vois comme quoi là ça passe vraiment, vraiment mal ce matin. Hein. Ouais, normal, puisqu'après j'ai lâché le micro à chier. Ok. Bon, alors, tu commences à y penser, là, pour le salon, là, le 30 juillet, là, à Port-des-Barques. Moi, j'ai commencé à mettre quelques étiquettes, là, c'est mon matériel, histoire de plus facilement faire le tri, là, après, à la fin. Bon, j'ai pas trop... mis à part ça, j'ai rien préparé d'autre, je me suis dit que j'ai encore le temps, quoi. Et en plus, si la propague reste comme elle est en ce moment, c'est-à-dire du soir, vendredi soir, ça risque d'être intéressant, là, que ce soit aussi bien côté, côté PMR que côté 27 mégas, de voir un peu ce que ça donne là, depuis là-bas, quoi. Ah ouais, tout à fait. Oui, c'est vrai que là, on peut avoir... on peut avoir un peu de Bah tu m'étonnes, c'est sûr, oui. Surtout qu'on est entouré d'eau là-bas. Hein.
sais pas, parce que je veux tout à fait, hein. Tout à fait, donc c'est vrai que ça peut être zéro. Voilà, donc pour vous, il n'y aura pas de problème. Voir. Ouais, je sais, j'ai pas le temps de régler le problème une fois de plus. Bon, c'est pas dérangeant. Ouais, voilà, oui, donc un peu dans cette course, j'attends un peu. Je suis dans la série de rond-points, là, sortie 10, là, en direction du pro. J'ai des espèces de QRM ici, oh la vache! Et puis la route là, elle est en travaux là, ici de ce côté-ci, quoi. Putain, c'est. Bon, je vais le dire en déconnant, mais c'est tout juste s'il faut pas un 4x4 là pour circuler là ici. Tout est en travaux, ils ont raculé le goudron, ça, et puis ça doit être en cours puisque j'entends là dans les roues là que ça a l'air de coller un petit peu, quoi. Ouais, mais là c'est pareil, ils ont mis la route en rainurage, là c'est pareil, là ils ont tout raclé, quoi. Ouais, mais ça c'est. Ah oui, c'est de l'autre côté, ça c'est pareil, c'est pas côté de travaux. C'est de l'autre côté. Ouais, voilà, bon, je suis sur le parking. Ah ok, ben ouais, moi je suis déjà venu. Voilà, ok, voilà, ok, vas-y. Ouais, je vois là où tu vas inscrire les deux chefs, là, qui viennent de s'installer, là. Voilà. J'espère qu'il avait mis bien ça, là, parce que. Hier, c'était pas ça. Ok, ta boule puante qui est là aussi? Non, c'est pas la bonne chance, c'est la bonne chance, je le ramène demain matin. Ah tiens, demain matin aussi, hein, je suis là. Après, attends, on est quoi? On est mardi, ok, mercredi. Ah oui, jeudi 14, par contre, je suis sur bord d'honneur, et là, je prendrai la moto. Hein. Ah mais, de toute façon, jeudi, vendredi, je travaille pas, après, je retravaille ce week-end, samedi, dimanche. Ce week-end, ah oui, vendredi soir, je fais le QSO du canal 27. Samedi soir, eh ben, je serai pas là. On est sorti avec l'YL privé.
Puis après, ben après, j'ai pas le planning en tête. Ouais, donc après les attaques des après-midi. Ok, que les après-midi après, d'accord. Voilà, il va y avoir une journée quand je vais faire le matin. Ok, d'accord, ben, ça va faire bizarre pour les QSO là pour le coup. Hey, tu sais que j'en ai pris l'habitude hein, de notre petit QSO du matin. Hein. Ah ouais, c'est ça, c'est vrai que à bientôt, moi tout ce que ça va être, je vais avoir pas mal de. Le 29 août, je serai le matin. Donc à la fin du mois d'août. Voilà, il n'y a que. Y a que ouais, le 29 et le 30 août, je serai le matin. D'accord, ok. De mémoire comme ça, sur le mois d'août, je navigue entre Mérignac et Bordeneur. Ok, mais moi, de toute façon, je serai la veille de mon, après de mon départ en vacances. Non, enfin, le 31 d'après-midi. Voilà, le 31 d'après-midi. Et le lundi, mardi, je serai du matin. Donc, le lundi, mardi, je serai du matin. Et après, je te. Ok, ça marche. Bon, je suis en train de regarder l'heure. Je vais te laisser. Les bonnes sont 13:51 à toi. Bonne journée et à demain matin. Ok, l'ami. Bonne journée à toi aussi. Allez, salut, bonne journée. Bonne journée, bye.